torche. Voilà, allez, on torche. Hop, voilà. Ah, c'est moyen de défense. Ah, ben merde. Ah, là déjà, la mordue, 4, je pense que la vie elle va baisser. Ça va baisser. Bon, allez, je vais quand même essayer de faire des trucs, mais je pense que là mes heures sont comptées. Par exemple, je vais ouvrir le tiroir parce que dedans il y a une clé qui peut être assez intéressante. Hein, bon. Je vais pas tout dévoiler parce que s'il y en a quand même qui veulent. Hein. Donc là, c'est juste des petites astuces pour progresser un tout petit peu dans le jeu. Donc il y a un paquet de cigarettes, donc c'est assez intéressant. Alors, pas pour fumer, hein, bien sûr, puisque maintenant on fume plus. Alors, je ouvre le paquet. Non, faut que je le prenne d'abord. Je le prenne. T'avais mis des easter eggs dans ton code ? Paquet, hein ? T'avais fait des easter eggs dans le jeu ou pas ? Des historiques ? Des easter eggs. Des blagues pourries, quoi. Ah, non. Ah oui, les easter eggs, les autres packs. Oui, à l'époque, on parlait pas des easter eggs. Prends paquet de cigarettes. Ah oui, alors après, c'est un peu lourdingue parce qu'il faut prendre le paquet, il faut l'ouvrir et pour savoir ce qu'il contient. Ah, faute de frappe. Ah oui, c'est clavier QWERTY. Maintenant, je sais plus les paquets. Le paquet de cigarettes. Il contient une clé. Faites tranquille. Moi, les gentils vous disent ce qu'il faut faire. Oui. Ça, j'arrivais pas à m'en sortir. Là. On a quand même fait des progrès maintenant dans les jeux. Donc, les... Ok, voilà. Alors, la clé, elle sert beaucoup plus tard, mais on en dira pas. Oui, voilà. Surtout pas dévoiler les secrets. Voilà. Bon, voilà. Et après, bon. Alors, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que là. Ah oui, bilan. Parce que là, pour savoir ouais, ce que j'ai. Vie 2, de toute façon, à mon avis, t'es bien. Voilà, alors là, je m'inquiète, je me dis, il faut que je fasse un petit check-up de santé. Donc, bilan, pour savoir ce que j'ai. Parce que quand même, vie 2, là, il y a un problème. Vous avez faim, vous avez soif, vous commencez à fatiguer, la morsure de Miga aggrave votre état. Bon, là, c'est très très mal barré. Bon, je vais essayer de manger des noix de coco, mais il faut que je sorte. Donc, droite, ensuite, avance. Voilà, plus d'habitude, hein, avec les années. Ah non, mais ça n'a rien à faire, elle veut pas. Il va y avoir un problème avec le PD QWERTY. Voilà. Avance, ensuite on prend droite. Voilà. Voilà. Vous savez, il y avait un trou à l'arrière de la tour. C'est ça qu'il n'y avait pas vu. Il y a eu ce réalisme époustouflant. Quoi. Ah, ça vaut du GTA 4. Hein. C'est vous êtes encore loin de la côte, bah, je sais pas, j'avance. Voilà. Je sais pas si je vais avoir assez de force pour atteindre les noix de coco. Parce que là, il faut vraiment que j'aille me restaurer. Allez, on va couper là pour pas donner tous les secrets.